Bonsoir à toutes et à tous. Avant de débuter le concert, nous tenons à remercier tous les acteurs qui ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de cette création. Merci vraiment à la municipalité pour cet accueil dans la saison culturelle de la ville, en particulier M. Ruffio, délégué à la culture, Mme Leveste, Flavie Renaud, Laudis Rigaud, Nathalie Coulon, Richard de Limel, Sylvain Brien et Nathalie Granger. Merci à Jocelyn Mabiala et Raymond Nolba pour leur disponibilité. Et un grand merci à tous les techniciens, tout particulièrement Frédéric Bock pour la création lumière et Jérôme Aigreau pour la prise de son, assisté par Stéphane Légère. Et enfin, merci à David Thiberge, maire de la ville, et à tous les élus pour l'intérêt que vous portez à notre association. Merci d'éteindre vos téléphones portables, par respect de l'auditoire et des musiciens. Bon concert. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Art, Musique et Loisirs vous invite à un voyage musical avec une création riche en sons et en lumière. Les compositions de Jean-Philippe Collec vous feront traverser les continents de l'Antarctique Nord jusqu'à la France, et en particulier le Loiret. Les étapes seront ponctuées par des chansons écrites et chanté par Nicolas Debarre. Lors de la première escale, un hommage à Léo Ferré sera rendu avant de reprendre la mer en se dirigeant vers l'embouchure de la Loire où nous attendra une charmante dame. Notre navigateur tentera avec ses mots de la séduire tout le long de l'aventure. Comme au cinéma, un générique encadrera ce long voyage concocté par Jean-Philippe Collec et Nicolas Debarre avec tous les musiciens de l'Orchestre d'Harmonie de Saint-Jean-de-Bray. Le galion et ses moussaillons seront dirigés par notre directeur Alain Coudray. Nous vous souhaitons un agréable moment musical. Thank you.
d'affairiste. Mais qui oserait Béla Bartok quand ton piano toujours insiste? De mon faucon pour une jet set de sophiste. Mais qui saurait François Villon sans ta syntaxe d'alchimiste?
chemin de halage, le saule riait, sans toucher l'ombre du paysage, semblait caresser son reflet. Sur les pierres du mur, on voyait l'eau danser, ce clapotis qui d'un murmure dit: restez donc à manger. C'est bien imaginer qu'on reviendrait un peu plus vieux, et quelques notes justes venaient nous chatouiller à l'intérieur de nos deux bustes, sans mouvement, peur de tout gâcher. Que le bonheur était de mise, si on avait imaginé que notre joie au bord de l'eau deviendrait pour quelques années coup de sur un coup de marteau.
chalet une route à traverser. Pour se faire une galette, un steak ou un rôti. Et voir par la fenêtre son engin arrêté. Chargement de palettes couchées en guise de lit. La rencontre était donc d'un ordre inévitable. Car elle était serveuse pour les itinérants. Lui s'arrêtait les soirs mettant pied sous les tables. Agrémentant ses poses de petits sourires charmants. Ses épaules sont fraîches, mais manquent un bon caclon. Et prépare dès maintenant l'assiette en râpe de frites. Après qu'on servit, je t'emmène dans mon camion. Et te déballerai mon gros amour sans suite. Ensuite, dit sans remords, les mots étaient lâchés. Mais pouvait-elle seulement se rendre à l'évidence? Directive en amour, compliment sur les mails. N'était que vos discours permettent en fulgurance. Tiapatata. Ne laissant pas grand chose pour de l'impérissable. Il est parti, le jour n'était même pas levé. Elle fit signe de la main sans être inconsolable. Dans 2 heures il faut faire les petits déjeuners. Et bien un an après elle avait un moutard. Trop agacée par ce qu'elle a pris comme gestion. Voilà rêvant un très beau motard qui pourrait l'arracher de ses putains de camions.
Un gros éléphant était amoureux d'une petite chatte grisée qui avait les yeux bleus. Elle s'appelait Marquise, il s'appelait Fernand. Elle était toute grise, lui n'était pas méchant. La belle chatte grise un jour accepta le souhait de celui qui frise le rejoindre en pyjama. Cet éléphant bouclé le soir se coucha, ne voyant pas son aimé, aussitôt l'appela. Marquise, Marquise, je me suis mise au lit. Marquise, Marquise, rejoins-moi ma chérie. Au bout de 20 minutes, Fernand s'inquiéta, cessa de dire flûte, puis recommença. Marquise, Marquise, pourquoi ne réponds-tu pas? Marquise, Marquise, pourquoi n'es-tu plus là? L'éléphant Fernand n'était pas très sérieux, oubliant par moments sa marquise aux yeux bleus. Mais le gros bas du dos de Fernand commençant à le gratter, et du lit il s'extirpant d'un coup la retrouver.
un vol de rouge, où s'ouvre la route, où s'ouvre la roue d'un vieux taco qui bouge. Une fable bleue sous le feu des feux, tout sur le vin de perdre plus que le jeu. Un verre de vin vert à l'éclat de terre sème dans la poussière du cœur chaleur de frère. Vitalo du jaune se noie dans la faune du bar où l'aumône n'est pas de rigueur. Profonde discussion n'est pas primordiale, des inhibitions, ambiance joviale, et pour colorer de crise pensée et la fermeture qui tarde et qui dure. Ce n'est pas créé que dont je souris, c'est que quelques deniers viennent d'être sortis. Sur un accoudé payant l'amitié. De ballons de blanc à tout discutant, oubliant l'écran d'un cri dégoulinant. Saladier orange, on boit et l'on mange. Pour la fête des anges, la retenue dérange. Rendre du café noir, nappage si rare. D'asphalte en trottoir peint de mille couleurs. Et pour colorer de crise de pensée et la fermeture qui tarde et qui dure. Ce n'est pas créé que dont j'ai souri, c'est que quelques deniers viennent d'être sortis. Un gros barbu qui tape du poing, non point pour un barbu de femme, mais pour un verre à onze de plus. Avant d'entrer sa voix au loin, ne présage nullement un drame, mais au verre un spectacle en sus. La blanche écume vient frapper le sable sous ses pieds. Au besoin même, je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin crève. Quand bien même tu n'existerais, au besoin même, je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin crève. Espérons ta main, j'étoilerai un futur lointain de voyage en rampaine. Sans plus tout en tendresse, pareil à nos caresses. Bien même tu n'existerais, au besoin même je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin clair. Bien même tu n'existerais, au besoin même je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin clair. En prenant ta main, j'imaginerais un futur lointain en regardant vers Misaine. L'oiseau partir et mourir, déjà éternel à non plus fini. Au besoin même, je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin clair. Quand bien même tu n'existerais, au besoin même, je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin clair. Je rêverai un futur lointain à l'insouciante bohème d'un faussaire en bonheur, aujourd'hui d'amour receleur. Quand bien même tu n'existerais, au besoin même je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin clair. Quand bien même tu n'existerais, au besoin même je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin clair. Couleur chrysanthème, si passion en hiver s'éteignait soudain.
quand bien même tu n'existerais, au besoin même je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin frais. Quand bien même tu n'existerais, au besoin même je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin frais. Quand bien même tu n'existerais, au besoin même je me mentirais pour t'inventer quand même dans un câlin frais.
bonsoir à tous. J'espère que uniquement la musique, vous avez fait le voyage que vous souhaitiez faire. Vous avez mis les images en fonction des textes de Nicolas Debarre que je vais vous présenter tout de suite. Toutes les escales, depuis l'Antarctique Nord, je prends la première musique, toutes les escales ont été interprétées au chant et à la guitare par Nicolas Debarre, de par ses compositions. Reste là, Nicolas, reste là. Toutes les musiques, à commencer par la première, avec la séquence, toutes les musiques médiévales, toutes les musiques cinématographiques ont été écrites par Jean-Philippe Collec. Et il a envie de dire un mot, alors je laisse faire. Bien voilà, ce spectacle en fin de mois, ce voyage se termine. Mais il y a quand même une personne qu'il faut que je remercie du fond du cœur, mon ami Alain Coudray. C'est bien d'essayer d'écrire de la musique, mais quelquefois on se rend pas compte si ça va être jouable ou pas par les musiciens. Voilà, donc merci pour tes conseils précieux. Merci. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Vous avez pu mettre des images sur les musiques. On ne vous a pas embêté avec le texte. On vous a laissé dans vos pensées. Et nous allons quitter avec le générique du début. All the best. J'espère que ce concert vous a plu. C'était une prouesse pour l'Orchestre d'Harmonie qui a pour habitude de faire plutôt un programme classique. J'espère que pour les trois premiers rangs, vous aviez prévu des boules qui est. Non, ça va, c'était audible. Grâce à un très très bon travail de notre technicien son, Jérôme Aigreau. Merci beaucoup.
parce qu'ils ont fait un travail formidable avec Jean-Pierre Legrand le vendredi. Monsieur Frédéric Bock pour la création Lumière, merci beaucoup. Et je remercie aussi les techniciens d'accueil que l'on connaît tous. Donc Jean-Pierre Legrand, que j'ai cité pour vendredi, et Stéphane Ligère également, qui nous a aidés là, pour la conception aussi, son et lumière. Donc merci vraiment aux techniciens, parce qu'à un moment donné, la musique, on peut jouer en acoustique, mais lorsqu'on rajoute de l'électrique, je pense qu'au niveau dosage et mix, c'était du très très bon travail, notamment sur scène. Donc j'imagine qu'en façade, vous étiez satisfait. Voilà. Nous allons refaire une pièce de Jean-Philippe Collec. Et comme il est frustré, il n'a pas pu écouter ses pièces parce que c'est vraiment une création, il ne les a jamais entendues en direct. Tu as le droit d'aller dans la salle écouter En avant toute de Jean-Philippe Collec. Merci de revenir sur scène.
Ils ont fait un travail de création uniquement pour la ville de Saint-Germain. Je trouve ça quand même assez fabuleux. Ils ont passé un temps fou. Nous avons passé un temps fou. Parce que c'est très difficile à partir d'une ligne mélodique de faire une orchestration pour, évidemment, pour un grand orchestre de 60 musiciens. Donc j'en profite vraiment pour les remercier parce qu'ils sont d'une extrême patience et d'une incroyable compétence digne de certains professionnels. Donc bravo à tous les musiciens de l'orchestre. Et aux 16... Et aux 16 professeurs de l'école qui étaient présents sur scène, vous pouvez les remarquer notamment en noir, les profs d'école. Les professeurs de harpe, je crois que je vais tous les vous les présenter parce que pour ceux qui sont sur Saint-Jean-Pré, vous avez l'habitude de les voir lors des auditions, mais en concert avec l'Orchestre d'Harmonie, c'est rare. C'était l'occasion, à travers cette création, de vraiment de présenter et de faire travailler tout le monde. Donc je vais commencer, ça se dit pas ce que je vais dire à Ariane, par la plus ancienne de l'école. C'est pas gentil ça. Ariane, Rosa Valette, professeur de piano. Notre professeur de harpe, Violette Lipsic. Notre professeur de violon, Elisabeth Caillard. Notre professeur d'alto, Béatrice Barbereau. Notre professeur de violoncelle, Patricia Berthaud. Notre professeur de contrebasse à cordes et de guitare basse, Monsieur Loïc Lecaire. Dans les rangs de l'orchestre, notre professeur de clarinette, Nicolas Chabenin. Notre professeur de flûte, Marie Chazelle. Marie Chazelle. Notre professeur de saxophone, Monsieur Norbert Buisson. Juste derrière, notre professeur de tuba, M. Christian Gruson. Notre professeur de percussion à la batterie, M. Yves Lambert. Notre professeur de trompette et adjoint à l'orchestre, M. Bruno Denis. À la trompette, le professeur de solfège, M. Christophe Chemy. Et professeur de corps, pardon. Professeur en tambour, monsieur Nicolas Melin. Et celle qui joue dans tous les orchestres, puisque vous aurez l'occasion de la voir dans un instrument l'année prochaine, vous l'avez déjà vu dans un instrument traditionnel à la bombarde, le professeur de hautbois, Emmanuel Pi. Et on garde toujours le meilleur pour la fin, notre super professeur de trombone, Jean-Charles Legrand. Je pense que si vous assistez, c'est une première pour Nicolas. Ça va lui faire un grand plaisir de rechanter une chanson. Son aimé
cessa de dire flûte, puis recommença. Marquise, marquise, pourquoi ne réponds-tu pas? Marquise, marquise, pourquoi n'es-tu plus là? Gros éléphant Fernand n'était pas très sérieux, oubliant par moment sa marquise aux yeux bleus, mais le gros pas du dos de Fernand commençant à le gratter, et du lit il s'extirpant d'un coup la retrouver. Ces musiques, j'invite Nicolas et Jean-Philippe finalement à aller peut-être au premier rang si vous le souhaitez, bien que ce ne soit pas les meilleures places, et on va vous interpréter une pièce de Jean-Philippe Collec pour le récompenser de son travail, une de ses créations, En avant toute.
Merci beaucoup. Merci d'être venu nous écouter aujourd'hui. Ça fait très plaisir pour cette création. Et je voudrais personnellement remercier tous les musiciens de l'Orchestre d'Harmonie. Pour son du travail. L'Orchestre d'Harmonie s'agendrait plutôt habitué à faire un programme classique. Et voilà, il y a des complexités techniques dont M. Jérôme Aigreau, en matière de son, a très bien géré. Merci Jérôme Aigreau au son. Et merci à Frédéric Bock pour ses belles lumières. Et je vais remercier les professionnels de l'école de musique qui ont participé à ce projet. Je vais commencer par le premier rang, à la contrebasse et à la guitare basse, Monsieur Loïc Lecaer. Le professeur de violoncelle, Patricia Berthaud. Notre professeur de violon alto, Béatrice Barberon. Notre professeur de violon, Elisabeth Caillard. Notre professeur de hautbois, Emmanuel Pi. Notre professeur de harpe, Violette Luxic. Notre professeur de piano, Ariane Crozavalet. Notre professeur de saxophone, Norbert Buisson. Notre professeur de flûte, Marie Chazelle. Le professeur de tambour et batterie, Nicolas Melun. Notre professeur de tuba, Christian Gruson. Notre professeur de percussion, Yves Lambert. Notre professeur de solfège et de corps, Monsieur Christophe Chevy. Notre professeur de trombone, Jean-Charles Legrand. Notre professeur, bien sûr, de clarinette, il est tellement discret, mais il joue tellement très bien, Monsieur Nicolas Chabonat. Et à la trompette, notre professeur de trompette, Monsieur Bruno Denis, et adjoint à l'orchestre. Merci et à bientôt. C'est pas de blague, c'est vraiment fini, à moins que vous en vouliez un autre. Alors demandez comme ça peut-être. Alors, Nicolas Debar, qui est de Saint-Jean-de-Maurel. Je vais vous interpréter Léo. Il n'y en a pas un sur cent et pourtant tu existes.
de 50 ans d'un premier tour de piste. Merci Léo, salut l'artiste. Bas bleu, c'est peut-être du top. Pour un showbiz d'affairiste, mais qui oserait Béla Bartok quand ton piano toujours insiste. De Montfaucon pour une jet set de sophiste, mais qui saurait François Villon sans ta syntaxe d'alchimiste. Merci Léo, salut la. N'a pas un sur cent et pourtant tu persistes. Après 10 ans d'un dernier tour de piste, merci Léo, salut la. Merci à vous tous et nous disons à la prochaine fois. Bonne fin de journée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Art Musique et Loisirs vous invite à un voyage musical avec une création riche en sons et en lumière. Thank you.
goutte du temps qui goûte et tes goulines à dégoûter. Et qui goûte et goûte de goutte pour oublier le goutte à goutte du temps qui goûte et tes goulines à dégoûter. Une route à traverser pour se faire une galette, un steak ou un rôti, et voir par la fenêtre son engin arrêté, chargement de palettes couchées en guise de lit. La rencontre était donc d'un ordre inévitable, car elle était serveuse pour les itinérants. Il s'arrêtait les soirs mettant pied sous les tables, agrémentant ses poses de petits sourires charmants. Ses épaules sont fraîches, mais manquent un bon caclon. Et prépare dès maintenant l'assiette en râpe de frites. Après qu'on servit, je t'emmène dans mon camion et te déballerai mon gros amour sans suite. À la contrebasse et à la guitare basse, monsieur Loïc Lecaer. Notre professeur de violoncelle, Patricia Berthaud. Notre professeur de violon alto, Béatrice Barbero. Notre professeur de violon, Elisabeth Caillard. Notre professeur de hautbois, Emmanuel Pi. Notre professeur de harpe,
Violette Mixic. Notre professeur de piano, Ariane Croza-Valette. Notre professeur de saxophone, Norbert Buisson. Notre professeur de flûte, Marie Chazelle. Notre professeur de tambour et batterie, Nicolas Melin. Notre professeur de tuba, Christian Gruson. Notre professeur de percussion, Yves Lambert. Notre professeur de solfège et de cor, M. Christophe Cheville. Notre professeur de trombone, Jean-Charles Legrand. Notre professeur, bien sûr, de clarinette, il est tellement discret, mais il joue tellement très bien, Monsieur Nicolas Chabenat. Et à la trompette, notre professeur de trompette, Monsieur Bruno Denis, et adjoint à l'orchestre. Et aux créations guitare. Et les musiques qui vous ont transporté de continent en continent, les musiques de Jean-Philippe Collec. Eh bien, merci surtout à tous les musiciens. Voilà, merci. Vous avez été très fort, très bon.